Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Yakuza 4, toujours en compagnie d'Akiyama. Donc je vous rappelle qu'on doit sauver Kido parce qu'il s'est fait capturer par des mecs de... Merde, je sais plus c'est quoi leur nom. Ouais, il ne meurt plus, c'est Tsubachi, ça se termine un truc comme ça je crois. On sait pas qui c'est des rakas qui sont venus comme ça à Sky Finance et qui ont foutu leur bordel. Ils ont agressé aussi Anna, hein. Le leader de ce groupe là, c'était une espèce de blond, là, il avait un pistolet, puis il a mis un coup de crosse dans la pauvre Anna, qui n'avait rien demandé. Enfin, qui n'avait rien demandé. Elle aurait bien botté le cul, mais elle a pas eu le temps. Quoi. Allez, direction l'élévateur, donc c'est le seul moyen apparemment qui nous permet d'accéder à la zone du sous-sol, puisque l'autre passage est fermé par ces racailles. Donc là du coup on découvre une nouvelle zone, donc ça c'est plus ou moins, je sais pas, une zone de... Je sais même pas comment je pourrais appeler ça en fait. Bon, c'est à moitié en travaux, mais... Bon, c'est en dessous la tour Millennium, quoi. Donc on va passer par ici. Et donc cette zone-là est accessible normalement même en dehors de l'histoire. Ouais, pas grand chose à faire, il y aura peut-être petite fouille de clés à faire éventuellement. Ah, bah ça y est. Bah voilà, c'est Atsushiba, voilà. Donc c'est les membres du clan. T'es qui, toi? Akiyama, vous savez, Sky Finance, c'est toujours un plaisir. Sky Finance, on n'a pas besoin d'un prêteur d'argent ici. Désolé, mais j'ai pas le temps pour des petites merdes comme toi. Apportez-moi à Midorikawa. Enfin, emmenez-moi à Midorikawa. Hein? Qu'est-ce que tu veux au boss? Non. Y'a quelqu'un en gros qui a... Attends, signé contrat. Quelqu'un a emporté quelque chose de ma compagnie sans signer un contrat. De quoi tu parles, putain? C'est comme ça, you have something. En gros, voilà, vous me devez quelque chose et je suis venu ici pour le réclamer. Donc, you are going to give me. Et vous allez aussi me rendre Kido et mon client, enfin mon registre de client. Bon, allez, ça va partir en baston là. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, en haut il y avait une petite clé. On a vu que ça brillait. Donc on va d'abord s'occuper d'eux, mais en tout cas. Peut-être m'occuper du mec avec son gun, non? Enfin, je sais pas si c'est une arme. Ah non, c'est un... Enfin, si, c'est une arme, mais c'est un couteau. Je croyais que c'était un pistolet, en fait. Alors, il a les cheveux rouges, ça tombe bien comme ça. Même s'il y a du sang, c'est pas grave. Ça se verra pas. Ah. Ah, tu voulais que je vienne, hein? Je suis mort. Je suis en train de les charcuter, les mecs. Hein. Ah, bah, c'est beau, les KO. Ouais, termine ta chorégraphie si tu veux. Mais c'était pas nécessaire. Voilà. Alors, ah merde, là, vu que je suis en mode combat, mais je peux pas choper la clé. Ah, faudrait que je retourne plus tard, alors. Tiens, des armes. Je récupère une petite batte, ça peut servir. Donc la suite, c'est par ici. On va casser la vilaine porte. Bon, du coup, je crois que je vais aller récupérer une autre batte, parce que si je récupère une arme et qu'elle est déjà morte, je vais pas aller loin avec. Mais c'est un SDF ça? Wow, cette place est à nous. On veut pas de Yakuza ici. Relax mec, je suis pas un Yakuza. Je prête de l'argent. Et j'ai une affaire à régler avec Midorikawa. Oh, désolé pour ça. Nous, les sans-abri, nous vivons ici depuis des années, mais les mecs d'Atsushiba nous ont foutu dehors.
C'était. Putain, ils utilisent encore le terme recul, je sais pas ce que ça veut dire. Soit aggravé de musique. Alors j'ai pris un mec avec moi. Et on a décidé de reprendre cet endroit. Quoi, pendant qu'ils étaient distraits. Bon, en gros, il était avec un autre, mais l'autre s'est barré, il a pris peur. Donc il a fui. J'espère que les choses vont se régler en paix, mais. Enfin, ça va pas être facile en gros. Ah, en gros, il va s'occuper des choses. Non, je vais me battre aussi avec vous. Quoi? Non, c'est sérieux. Je suis pas encore sénile, enfin un vieux sénile, je vous dis. Je m'appelle Kogoro Sukegawa et je suis venu ici pour punir les Yakuza pour ce qu'ils ont fait. D'accord. Cet endroit était comme un paradis pour les sans-abri avant qu'ils viennent. Mais ils ont tout ruiné. C'est pas un gars comme vous qui va comprendre ce que je ressens, Sniff. Ok, ok. Vous pouvez venir si vous voulez. Vraiment? Oh, merci. Stand back. En gros, rester en arrière et laisser Kogoro s'occuper de... du truc. Bien sûr. Allez, c'est parti. En fait, il sait pas que nous, on était un ancien SDF aussi, quoi. C'est le petit truc. Hein. Et, Enfin, tu sais où est Atsushiba? Ah bah tiens, il est mec. Ils sont un peu mieux habillés que ceux qu'on a croisés tout à l'heure. Putain, ils sont pas résistants les mecs. Hein. Bim. Beau vieux coup de batte de baseball, ça remet les images. Ça c'est là que ça continue. Par contre j'ai vu un truc briller, non? Bon, encore une fois je peux pas y aller pour l'instant parce qu'on est en mode combat. Peut-être une idée d'ailleurs du pourquoi ils ont pris le registre de nos clients. Parce que techniquement quand tu prends un registre de clients, à part pour avoir des informations, tu peux pas faire un truc là normalement. Mais à part pour avoir des informations sur des clients, qui c'est, où ils habitent par exemple, des choses comme ça, ça sert à rien quoi. Enfin, ça vaut que dalle quoi. Qui c'est qui veut des journaux dans la gueule? Enfin, des magazines, pardon. C'est un peu plus premium. Alors ici, la première fois que j'avais joué, ça m'avait saoulé. Parce qu'en fait, il y a eu un bug. Enfin, on n'est pas encore exactement passé, mais il y a eu un bug. Je vous le montrerai au moment où. Mais ça m'avait grave saoulé, du coup j'ai été bloqué et en fait j'avais pas sauvegardé depuis longtemps parce que quand je joue pour moi, il y a des fois je joue pendant 2-3 heures d'affilée et je sauvegarde pas en fait. Que là pour le coup, bah, chaque fin de vidéo j'ai au moins une sauvegarde quoi. Et du coup je me suis retrouvé comme un connard à devoir quitter le jeu et bah, pour revenir ici, il fallait que je me retape 2-3 heures de jeu. Tout ça à cause d'un bug à la con. Ça me l'a fait qu'une fois. Mais comment ça me saouler, hein, c'est pas pour qui hein. Ah salaud. Allez, allez. Ah.
mange le mur. C'est bon. On continue. Alors, est-ce qu'il y a des trucs ici? Un petit truc de soin. Ah bah voilà, c'est là. Et en fait, moi, mon bug, bah là, voilà. Il dit, attends, oh super, ce connard a fermé la porte, machin, donc il faut une clé. Et en fait, bah moi, c'était bugué. Parce qu'en fait, vu qu'il n'y avait pas le SDF à côté, je crois qu'Akiyama disait, je devrais peut-être voir le mec sans abri. Et en fait, du coup, je retournais le voir, mais je pouvais pas lui parler. En fait, il était encore en mode combat. Je pouvais pas lui parler et il voulait pas me suivre. Du coup, j'ai été bloqué. C'est pour ça que j'ai dû relancer le truc. Donc là, vu qu'il est à côté de moi, bah voilà, il m'explique. Voilà, il va pouvoir ouvrir. Oui, attends. C'est fermé, je ne suis pas capable, non. Je ferais mieux de trouver ce Kakuda Sukegawa. Bah, c'est pas lui. Pas tout compris. Mais il me semblait que c'était lui. On va voir. C'est possible que je me trompe. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va pas refaire le bug que j'avais eu. Ah tiens. C'est lui qui a pris peur, il devait être avec lui, parce qu'il est dit, il a dit qu'il était venu ici avec un collègue pour essayer de reprendre le terre-terre. C'est bon ? Ah bah tiens, il y a d'autres à acquérir. Allez, on se lève. Il y avait Trian qui était proposé, j'aimerais bien le refaire. Il veut pas. Parce que c'est normalement, je crois que ça doit être le nouveau coup, mais. Ah voilà. Merde. Ça va pas lancer. Ah putain, mais ça me le propose, j'ai appuyé, c'est bon. Tu veux pas. Putain, ça me l'a proposé, mais trop tard encore. Et bah, à chaque fois, ça me le propose, j'ai appuyé au mauvais moment. Putain, encore. Je sais pas c'est quoi les conditions en fait qu'il faut réunir. Ah voilà, ça y est, j'ai plus de fier. Je pense qu'il faut au moins deux mecs par rapport à ce qu'on a eu. Mais après. Ça se trouve, ça fera comme d'habitude et certains coups que j'avais appris avec Kazuma. J'ai réussi à les sortir que une ou deux fois durant le coup et un petit peu par chance ça va faire pareil quoi. Il est costaud celui-là. Allez. Attention, monsieur riposte. C'est bon? Il y aura encore d'autres mecs. Non. Je sais pas, on va revoir là-bas. Moi qui m'a donné la clé, j'ai peut-être mal compris, je sais pas. J'aurais un peu passé le texte en mode balistique, quoi. Mais... On devrait. Ça devrait être sûr pour notre ami qui montre. D'accord, ok. Ouais, donc il va chercher son pote, c'est bon, voilà, c'est ça. Donc voilà, moi j'ai pas eu le droit d'avoir ça la première fois que j'ai fait le jeu. J'ai dû quitter et revenir. Leur taper au moins 2 heures de jeu pour débloquer la situation. Monsieur gros bourrin au fond avec un fauteuil. Les classiques.
Bim. Ah mais c'est notre ami ouais c'est Kassai là. Ouais. C'est le mec de tout à l'heure en fait, il est revenu, il reveut sa dose apparemment. Il s'en veut. Bon, par contre il a moins de vie là. Il a déjà eu pas mal de dégâts par le passé. J'aime bien parce que l'autre il nous mate, je fais rien. Ah, je pouvais contre-attaquer, j'avais pas vu. C'est un nouveau coup, j'ai dû débloquer aussi. Dégage. C'est vrai, ils sont tous KO. Alors, je vais regarder les habités du coup, parce que là ça fait un petit moment. Donc tout ça c'est bon de toute façon, donc plein de deuxième. Double esquive, c'est vrai que j'utilise pas beaucoup les esquives pour l'instant, mais c'est pas non plus nécessaire en fait. Comme vous savez, moi j'y vais plus en mode bourrin, et quand je joue vraiment contre esquive, c'est, je sais que c'est voilà, c'est pour vraiment des combats qui sont difficiles. Quoi. Mais là ça va quand on a des trucs tranquilles. Encore une porte fermée, j'espère que Kakuda pourra s'en occuper. En train de regarder, ça a l'air d'être bon, parfait. Ça, c'est un expert en crochetage le mec. Allez la suite. Hop là, on fait plein d'objets, j'ai même pas besoin d'en acheter. Mais merde, j'ai un dissien quoi. La Seraco. Ah c'est juste une petite salle comme ça, d'accord. Petite salle bonus. Ok, ça marche. Par contre, je sais même plus d'où je viens. Si je venais de par là, donc ça doit être au fond. Allez, refais ton job. Donc ouais, c'était une salle bonus, et c'est ça, c'est pas mal. C'est pour ça qu'il y avait plusieurs objets. Direct que j'arrive, direct que j'en violente. Ça c'est réglé, en plus c'est le mec qui avait le mod. Oh, j'ai fait la QTE là, mais en vrai, ça sert à rien, je crois qu'il avait plus de vie. En tout cas, on se rapproche de ce fameux bureau. Voilà. Ok. Ah putain, Kakuda encore. Putain, qu'est-ce qu'on ferait sans lui, quoi. Le mec, il a ouvert quoi, 4 ou 5 portes depuis qu'on est là. Merci bonhomme. Ah, c'est ça que je vous disais que j'avais confondu. Je sais pas si vous vous rappelez dans Yakuza 3. C'est le mec qui ressemble en gros au Doc dans Retour vers le futur. Il avait fait un truc où on pouvait se battre, genre c'était un mode versus, comme Tekken ou bah tiens Virtua Fighter, parce que c'est ce qui se rapproche le plus. Voilà, Docteur Minamida. Et du coup ici on pourra revenir si on veut apprendre de... Bah je sais plus c'était quoi. On apprenait des nouveaux coups, on gagnait de la vie ou je sais plus. Bon, en tout cas c'était... Il me semble utile de pouvoir faire ça. Peut-être de l'argent, je sais plus. Donc c'était un truc psychique en fait. On se mettait dans le siège, une espèce de truc sur la tête. Et on entrait dans une simulation de combat en versus fighting quoi. Et du coup ça c'est la suite. Et si vous vous rappelez dans Yakuza 3 je disais ah mais c'est bizarre, ça me dit quelque chose. Dans Yakuza 2 il y avait la planque DSDF où il y avait un truc. En fait après je sais plus c'était la vidéo d'après, la vidéo après, je vous avais dit que je m'étais trompé en fait avec Yakuza 4. Parce que c'est cette zone en fait dont je parle, la zone DSDF qui pour l'instant est encore aux mains des Yakuza hein, mais vu qu'on va leur doter le cul, bah, SDF va bientôt pouvoir revenir. Et c'était cette fameuse zone en fait, que j'ai.
petit kick en arrière qui passe crème. Alors il y a des techniques de combat, je sais pas si on arrivera à les débloquer ou si elles sont disponibles dans le 4. Mais il y en a une qui est assez cool. Ça serait cool si j'arrive à la voir, mais je sais pas si c'est dispo dans Yakuza 4. Enfin bref. Bon allez, voilà, machin, on l'a aidé, c'est cool. Nous on veut la suite. Merci, on se voit plus tard. Encore un objet de soin. Putain, je suis full du coup. J'ai tellement pas utilisé d'objet de soin pour l'instant. Bon, ils m'ont donné énormément de... C'est quoi qu'ils m'ont donné? Torinor Plus. Putain, c'est de la merde, Torinor Plus en fait. Enfin, je dis énormément, ils m'ont donné que deux, mais... Je vais les utiliser maintenant, parce que ça, c'est juste pour la jauge de fièvre, mais on s'en branle, en fait. Parce qu'il y a de plus utile, je vais prendre un X tout court. Ça suffit pour l'instant. Ah bah voilà, ça y est, c'est la porte. On arrive au bout. Kido. Ah, Akiyama. Eh, vous êtes bon, Attends, Real Dedication to the Job. Je sais pas, vous êtes fait pour ce jeu, j'ai l'impression. C'est vous, Midorikawa? Alors quoi, c'est ça le... Enfin, c'est lui le président du clan Atsushiba. Je sais pas ce que vous voulez avec Kido et mon registre. Mais est-ce que vous pouvez me le rendre, s'il vous plaît? Vous avez entendu ce mec, boss? Qu'est-ce que vous dites? Akiyama, c'est ça? J'ai bien peur que tu t'es mis une mauvaise idée en tête. Comment ça? Vous nous avez donné ce registre. Donc vous pouvez pas nous demander de vous le rendre. C'est pas bien, quoi. Oh, j'avais oublié ça. Si je vous l'ai donné, alors c'est différent. Il rentre dans le jeu, quand même, hein. Alors qu'il doit le récupérer, normalement. C'est ça. Je suis content que nous sommes d'accord. Absolument. Maintenant, est-ce que vous pouvez me le redonner? Quoi? On peut jouer encore longtemps à ce petit jeu, c'est pas amusant. Haha, freaking Riot, ça doit être une insulte, je pense. Riot, je sais plus ce que ça veut dire. Pas un truc genre racaille, ou émeutier, non, un truc comme ça. Ouais, je sais plus. Je crois que c'est utilisé aussi pour dire ça. Vous pensez vraiment que vous allez nous avoir? On sait pas si on essaye pas. Je connais déjà la réponse, mais pourquoi pas. Je vais te ramener à ta pute de secrétaire dans un sac poubelle, quoi. Ou un sac mortuaire, parce que body bag, ouais, c'est plus sac mortuaire. Allez, Takumi Midorikawa, donc c'est le lieutenant du clan Atsushiba, et monsieur joue avec un flingue. Et que monsieur n'a pas de couilles. Comme il a tapé une femme avec un flingue. Alors il y a des chances qu'il esquive beaucoup. Et il commence un peu à me saouler avec son pistolet aussi. Putain, je suis au sol, il me victime. Je vais devoir utiliser des esquives avec lui, on dirait. Bon, il a pas beaucoup de vie en fait. Ça va être vite réglé en fait. C'est un petit boss, quoi. L'autre qui regarde au KLM sur son bureau, il va pas rester au KLM longtemps, vous allez voir ça. Qu'est-ce qu'il fout? Ah d'accord, le mec il prend la fuite. Bonjour messieurs. Alors tiens, j'ai récupéré son pistolet. Si vous permettez, hein, je m'en sers. Hop, deux mecs en moins déjà. Je vais tout
valser. Je sais pas c'est quoi qui a volé, hein, c'est quoi ça? Je peux le prendre? What? C'est un bout de tuyau? C'est quoi ce bordel? Oula, un bout de tronçonneuse. Ah merde. Je me rappelais pas de ça. Non, j'ai pas trop envie de finir en bout de bois. Merde, j'ai foiré. Oh putain, il m'a fait mal. Avec sa tête de cinglé. Oh putain, calme-toi avec ta tronçonneuse, toi. Putain, c'est un cinglé, lui. Qu'est-ce qu'ils font avec une tronçonneuse ici? Y'a pas de bois. Je fais des contre-attaques, rien à foutre là. T'as esquive, esquive. À chaque fois j'appuie sur croix pour esquiver, mais vu que je suis à moitié stone à chaque coup, bah... T'es sérieux, là je suis derrière, il va me toucher, c'est quoi ? さてと、会長さん。待て。わかった。顧客名は返す。あれ？それはもらったものじゃなかったでしたっけ？返さなくても結構ですよ。あんたをぶちのめしてから勝手にもらっていきますから。貴様、この通りだ。勘弁してくれ。 Monsieur s'est complètement dégonflé quand même. Il faisait le malin. Ah, vous me l'avez donné, ouais, c'est ça. Alors, j'ai fait une faveur à Shibata. Il voulait que je l'aide à récupérer une certaine. Pute, je cite, qui s'appelle Lily. Tiens, Lily, ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé d'elle. Tout est lié. C'est peut-être par rapport au registre, justement. Il voulait peut-être avoir les infos de là où elle habite ou quoi. Sauf que de toute façon, il nous a pas donné grand-chose comme info. Donc, on lui a donné limite la thune. Enfin, non, on lui a pas encore donné la thune. Non, je dis une connerie là. On lui a pas encore donné la thune, mais on lui demande aucune info, quoi. Limite, son nom, c'est un pseudonyme, c'est pas grave, quoi. Est-ce que vous pouvez juste dire Lily? Pourquoi Shibata la veut? Enfin, la recherche. Si je le savais. Mais il avait l'air vraiment... Il avait l'air vraiment pissette, c'est... Je sais pas, moi, c'est... On s'est foutu de toi, quoi, mais je sais pas, il avait l'air en rogne, peut-être. Quand il parlait d'elle. Et pourquoi avoir pris mon registre? Ouais, on savait qu'elle était à Sky Finance. Donc c'était une cliente, donc voilà. On voulait voir des informations de contact dans votre registre. Ça n'explique toujours pas pourquoi Shibata la veut. Désolé de vous avoir embarqué dans tout ça, monsieur Akiyama. Quoi non. Ça fonctionne. Je sais pas, enfin j'étais conscient de ce que je faisais, peut-être. Voilà. Mais ce n'est pas de ta faute, même Anna n'a pas pu les arrêter.
Puis c'est pas grave, j'ai retrouvé mon registre. Anna va mieux, enfin va se faire soigner au niveau de la tête. Et puis on est en bonne santé. C'est vrai. C'est quoi, c'est peut-être faire profil bas, non, un truc comme ça. Merci encore. Salut Kido. J'aime bien Kido d'ailleurs, je sais pas si je vous en ai parlé, mais j'aime bien le chara-design de ce perso. J'aime vraiment beaucoup sa veste, évidemment. Je dis oui si tu veux me l'offrir. Y a pas de souci, je te la prends sans problème. C'est vrai que c'est le genre de veste avec. Toujours il y a un dessin stylisé derrière. Enfin, encore la sienne n'est pas trop compliquée. Mais suffit de pas aller loin. Enfin, regardez mon avatar de ma chaîne YouTube. Je vous rappelle que c'est un personnage du manga Tiger and Bunny. Et ben lui-même a une veste un peu comme ça. Bon, elle est violette la sienne, mais c'est marqué Japan. Il y a une petite geisha vue de dos, je crois, sur le dos justement de la veste. Enfin, je la trouve tellement stylée, quoi. Bref, encore un jour bien occupé. Je crois que je vais rentrer à la finance pour souffler un peu. Et bah écoute, je dis pas non. Cependant, j'ai récupéré pas mal de clés, donc si tu permets. Ok, ça c'est encore pour un jeu de casino sûrement. Ah, couteau épicé. Marrant comme nom. Ça se vend peut-être assez cher. Ensuite, ça c'est pareil pour le casino, je pense. Ouais, ça pour la roulette apparemment. Je vais le poser. Et le dernier. Converteur de gravité. Sûrement pour une arme encore. Toujours des trucs assez chelous. Hein. Genre déjà des suspensions où il y a des semelles de chaussures aussi. Je sais pas si vous vous rappelez dans les Yakuza 3, il devait y en avoir, c'est un truc que tu tombes assez régulièrement en général. Mais des semelles de chaussures quoi. Qu'est-ce que tu vas faire une arme avec des semelles de chaussures? C'est n'importe quoi. Il y a toujours des trucs complètement pétés comme ça. Allez, on se lève, mon garçon. Ah merde, je peux pas le taper contre la vitrine, c'est un peu cool. Pas besoin, j'ai raté la QTE, mais c'est pas grave. Petite clé dans la gueule, ça fait bien mal, ça, à chaque fois, ce genre de truc. Allez, c'est comme l'espèce de pied de biche, hein, si vous vous rappelez. Enfin, le pire, c'est dans Yakuza 1 et 2, les pieds de biche, putain. Parce que ça met dans la gueule des ennemis, que c'est tellement la violence à l'état brut, ce truc. C'est limite en deux coups, tu les pètes, les mecs, à chaque coup. Trop puissant, quoi. Mais on a de moins en moins, ça. Au fur et à mesure des jeux, il y a moins d'armes cheatées à ce point-là, comme ça. Sauf quand vous finissez le jeu, ou des fois vous débloquez des armes bonus, ou elles coûtent extrêmement cher, du coup, c'est genre des armes à 1 million d'yens, des trucs comme ça. Ça peut exister aussi, mais. On va dire dans une partie normale, il n'y a plus trop d'armes complètement cheatées comme ça. Après, c'est vrai que ça facilite trop le jeu, hein, d'un côté. Hein. On peut pas dire le contraire. Mais bon, c'est toujours cool quand tu tombes sur ce genre d'armes. Alors, Anna, comment ça va? Alors, aujourd'hui, c'est le dernier jour de Lydie au club. Elle a besoin de 3 millions au total en 3 jours. Enfin, elle avait besoin d'atteindre 3 millions au total. Je ferais mieux de voir si elle a réussi à faire ça. Bah écoute, c'est parti. En fait, je suis retourné à Sky Finance pour pas grand-chose. Ils me font faire des allers-retours, les mecs. Alors, j'ai 7 points là. Qu'est-ce que je fais? Que je revérifie, tout est à fond. Parce que peut-être que des fois, ça en rajoute. Il me semble pas, mais bon, je préfère vérifier au cas où. Alors, tac. Parce que là, du coup, j'ai gagné 6 points parce que, vu que c'était un mini-boss, on va dire, il donne plus d'XP, quoi, comme d'hab. Dodge combo. Left stick plus croix, during combo. D'accord, mais faut pas être en mode hit. Ok. En mode fief, quoi. Je vais voir si je peux peut-être poser des objets.
Parce que bon, je crois que ça je vais poser. Je pense que je le vendrai. La résine, pareil. La montre à deux balles, on s'en branle. Toriner plus plus, on s'en fout. Et le reste, bah, je garde. Alors, je vais regarder les stats vite fait. D'accord, on est à 6h40 de jeu, ça marche. C'était pour savoir par curiosité. Donc comme je vous disais dans la vidéo précédente, on se rapproche de la fin de la première partie du jeu, donc avec Akiyama. Mais comme je vous ai expliqué, on va le revoir pas mal, hein, vous inquiétez pas. Si vous appréciez le personnage, vous inquiétez pas, il va pas dépop littéralement du jeu. Ils font pas comme ça dans les Yakuza. Donc ça, on le reverra. La seconde partie du jeu est assez différente au début. Enfin, je veux pas trop vous spoiler, mais elle est vraiment très intéressante aussi. Apparemment, il doit y avoir une clé dans le coin. Allez, pardon, monsieur. Entre vos deux jambes, ne soyez pas mal à l'aise. Voilà. Ouais, elle est vraiment très intéressante et une mise en scène de folie au début du premier épisode de la seconde partie, quoi. Le premier chapitre de la seconde partie. En fait, dès qu'on va entamer la seconde partie, il y a une très longue cinématique. Il y a vraiment une mise en scène de fou. Si vous aimez vraiment les films les films noirs, les films de Yakuza et tout, enfin, je vois pas ce qu'il vous faut de plus, quoi. C'est vraiment l'une des meilleures scènes du jeu. La mise en scène, elle est nickel. Génial. J'aime vraiment beaucoup. Et le personnage est vraiment sympa aussi, j'aime beaucoup. Même si au premier abord, je me suis dit, bon, ça a l'air d'être un bourrin, mais ouais, sans plus en fait. Et en fait, pas du tout. C'est peut-être l'a priori que vous ferez aussi, comme moi au début. Mais en fait, bon, c'est peut-être pas non plus le mec cool comme Akiyama, hein. Clairement, c'est. Enfin, je veux pas trop spoiler non plus le personnage, vous le verrez par vous-même, mais il a un développement qui est très intéressant, je trouve. Et puis, il est très très proche de Goro Majima, en fait. Sans vous en dire plus. C'est des personnes qui se connaissent très bien, et... Enfin, ça va être primordial, je dirais, pour le scénario, comme je disais, par le passé, et aussi pour le lore, en fait, pour toute l'histoire des Yakuza, en fait. Ouais, c'est assez intéressant. Et en même temps, on verra Goro Majima plus jeune, avant qu'il perde son œil notamment. Donc vous verrez tout ça. Ça sera sûrement l'épisode suivant, quoi, du coup. Quoique, on verra. Ça dépend de mon avancée en fait à la fin de cet épisode et le début du suivant, j'ai envie de dire. Alors, je suis ici pour le dernier entraînement de Lily. Bien sûr, tac tac, ok, ça marche. Bon, on connaît les bails, hein, je passe le truc. Alors, bon, on va la laisser comme ça, je pense, on va faire training direct. Alors, apparence tips. Conseil d'apparence. Alors voyons voir ton maquillage, le bon maquillage et toi te donner un coup de boost, quoi. Ok, merci, d'accord. T'as toujours besoin d'être travail, ok. Je ferai mieux la prochaine fois. Ah, ok. Putain, le stress dure. Elle va se suicider là, ça continue. Bon bah ok. Bon, qu'est-ce qu'il a son maquillage? J'ai niqué ta soeur aussi. Par contre, ouais, je vous avais parlé de changer des cheveux. Il s'était marqué, hein, ils le disent même les PNJ. Et de mémoire, on pouvait, mais peut-être pas sur ce personnage-là, parce que c'est un personnage principal, entre guillemets, quoi. Mais je pense qu'on peut recruter d'autres hôtesses et du coup choisir leur coupe de cheveux. Du coup, attends, je vais modifier déjà le truc. Je sais pas si c'est eyeliner, non, je sais même plus. Ouais, c'était ça.
Je vais mettre rouge. Ah non, c'est bleu, merde. Attends, donc ça doit pas être ça. Ah non, c'est eyeshadow, pardon. Putain, aussi avec l'onglet, quoi. Tac. Voilà. Je vais mettre en... Attends, rose ou... Non, comme ça, je pense que ça peut faire pas mal. Ça rappelle la couleur de la robe. Je me suis mis. Pour en vrai, ça sert à rien, ouais. Je me fais chier pour rien, mais je la joue RP, quoi. Non, non, pas par défaut. Non, c'est bon, ouais, comme ça. Fini. Ouais. Ouais, que ça se fait un peu... C'est vrai que bleu, ça faisait bizarre. Mais bon, comme je vous disais, moi, j'aime bien en bleu. C'est pour ça que j'ai mis en bleu, mais bon. Si t'as pas la robe qui va avec, c'est cool. Donc apparemment, Preview Cell, elle avait réussi à gagner 1 228 000, ce qui est pas mal. Donc elle va peut-être réussir à les avoir, ces 3 millions. Ça serait préférable, quand même, si elle veut ses 100 millions en échange. Putain, le stress, faut arrêter. Les meufs, elles stressent pour rien, c'est pas possible. Go to customer, allez c'est parti. Donc je crois que ça va être le même délire où je fais 3 fois le tour pour voir ce qu'ils veulent et après j'adapte. Alors est-ce qu'ils veulent toujours des femmes élégantes? Donc ouais, c'est plus amusant par... enfin, des gens... enfin, avec des femmes qui parlent beaucoup, enfin, qui savent parler quoi. Ou ils disent que ça apparemment. I like girl who are good talker. Ouais, c'est ça, donc je peux pas faire grand chose, hein. C'est pas au niveau des fringues que ça va changer quelque chose. Non, c'est bon. Bon, on y retourne. Hein. Alors du coup on va la réentraîner et là c'est conversation tips je pense. Ah tu fais ça très bien, bon travail. Bah voilà nickel. Le stress il baisse un peu ou pas? Ouais vite fait. Hein. On a gagné un petit A, c'est déjà pas mal. Allez, go to customer, ça devrait le faire je pense. Attaquez ça me fait... Bah apparemment ça a l'air d'être bien. Mmh. Ah. Hop 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 là le pervers là. Et c'est pas une pute, hein, c'est une hôtesse. On va devoir lui casser la gueule. Je peux lui parler ou pas? La fille qui dit que c'est... Ouais. Ouais, bah ouais, elle est stressée, mais en même temps, la jauge de stress, elle est à fond, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas s'il y a moyen de la déstresser. Pardon pour le coup dans le trépied, ça a dû faire mal aux oreilles. Peut-être baisser au montage, je verrai. Je vais l'entraîner encore, mais ouais, le stress, je sais pas. Free time, peut-être. Temps libre, ça doit la déstresser, je pense. Je vais mettre ça, on va voir. Ah, je pense, ouais. Allez, déstress, parce que là, c'est un truc de fou, là. Après, elle va faire comme les employés de France Télécom. Ça va mal finir. Alors. Ah, parfait. Ouh, rang S en conversation. Voilà, elle va tout niquer, elle est obligée. Allez, c'est reparti. Ça y est, je commence à mieux comprendre déjà comment ça fonctionne. La gestion d'hôtesse dans Yakuza 4. Donc, c'est assez différent de Yakuza 0, quand même. Mais je pense que les deux se valent, parce que... Yakuza 0, je l'ai torché de ouf en fait. Enfin, encore une fois, en vrai, j'ai joué peut-être 3-4 heures à ce mode de jeu. Quoi. Mmh. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Putain, décidément, c'est pas possible ça. Bah, elle est pas stressée là, c'est quoi le problème? Encore? Putain, mais lol.
Ouais, faut croire. C'est peut-être le stress de pas avoir ces 3 millions, on va dire, que tout est lié. C'est quand même bizarre, là, au niveau des stats, techniquement, il devrait pas me faire chier comme ça. Bon, on a fini, en tout cas. Verdict. J'ai appris tout de vous, je sais. Non, je t'ai tout appris, je sais pas quoi. Ok. Bonne chance, merci. Le manager me contactera quand il aura calculé tes ventes et voilà, on doit juste attendre un petit peu. Ok. Eh ben écoute, vas-y. Go to Sky Finance. Putain, je commence à parler anglais sans m'en rendre compte. Ça devient grave. Hein. Attention, je suis bilingue. À surtout ne pas prendre au premier degré, surtout quand je fais la traduction. Mais c'est vrai que j'utilise de plus en plus d'anglicisme quand même. Alors que je suis le premier à être contre ça en vrai. Pour pas vous mentir, je suis un peu le Québécois de France, quoi. En mode, je veux protéger ma langue française. Mais, je sais pas, j'arrive pas à y échapper, en fait. Il y a des termes qui sont des fois plus simples, quoi, des trucs comme ça. Par contre, des fois, il y en a, c'est dans l'abus. Donc, voilà, quoi. J'en abuse pas trop non plus sur certains termes. Parce qu'il y a des trucs, c'est... Tu gagnes pas de temps, en fait, que ça soit en français ou en anglais. Donc, bon, des fois, après, par habitude, tu peux utiliser des termes anglais, genre, je sais pas, pour parler de la carte, tu vas dire la map. Mais bon, j'essaie quand même d'utiliser plus souvent le français, mais des moments, c'est... Bon, après, ça a rien de mal en soi, hein, mais bon. Ouh, 3 500 000, bah, c'est bon. Impeccable. Donc, en gros, il dit que bah, le club gagnerait pas mal d'oseille s'il est resté là. Mais c'est pas le cas. Elle a un rare talent pour garder les clients heureux. Le business a vraiment fait un bond depuis qu'elle est venue. Bonne nouvelle, sauf qu'elle va partir. Et Lydie est là-bas en ce moment? J'aimerais lui parler. Ok, attends un moment. Allô? C'est Lydie qui parle. Hé hey Lydie, j'ai entendu ce que tu as fait, c'est bien. Oui, et je dois vraiment vous remercier, monsieur Akiyama. Non, non, c'est vous, Lini, vous avez un talent naturel pour le... Et vous travaillez dur. Mais sans vos conseils, en gros, je suis sûr que je n'aurais pas réussi à passer le test. Et pour ça, je vous en suis infiniment reconnaissant. Deux, parce que c'est une femme. Content de vous avoir aidé. Maintenant, concernant l'argent, Ayavi Trading... Donc je prépare ça, donc si vous avez un moment pour me voir. Bien sûr, où est-ce qu'on se voit? Bah pourquoi pas le roof de... Le toit de la tour Millennium. Ok. Bien. Parfait. Ouais. What, il se passe quoi là? Ah d'accord, ok. J'ai cru que ça avait bugué, quoi. Je ferais mieux de le dépêcher, Lini m'attend. Okay. Bah ouais, enfin oui et non, parce que... Quoi, il y a une clé ici ou quoi, ça a sonné. Ça sonnait pas, hein. Bien. Bon, vous voyez qu'on a une mallette, hein, du coup. Ces petits détails sympathiques. Ils sont pas obligés de faire, en général, mais... Hein. Ils ont fait ce petit détail-là. C'est plutôt pas mal. Et là, ça sonne plus. Ah. C'est par là? Non. Attends, je vais mettre en vue FPS pour voir.
Je vois rien briller en fait. À moins que c'est dans le coin là, non? Ou là? Mais je vois rien, c'est moi qui aveugle ou ça se passe comment? Je sais pas. C'est rien, ça doit être dans le coin, mais je sais pas. C'est pas grave. Ouais, bon, on va sauvegarder devant la tour Millennium et on fera ça dans l'épisode suivant, du coup. Ouais, là, on a dépassé les 50 minutes, donc. Ça va être compliqué d'enchaîner parce qu'il y a une cinématique et tout. Donc, je préfère m'arrêter ici. Hop, voilà, comme ça, on est juste à côté. Et du coup, bah, on verra ce qui se passe dans l'épisode suivant avec cet argent. Hein. Elle va peut-être nous dire pourquoi elle veut ça. Parce qu'elle nous a toujours pas expliqué pourquoi, hein, rappelez-vous. Donc on est quand même curieux de savoir. Et puis rappelez-vous aussi que y a eu deux meurtres. Le manager du bar Drama Queen. Enfin, hein, ouais, c'est ça, Drama Queen s'appelle. Où elle a récupéré un briquet là-bas, donc c'est quand même suspect. Et aussi le meurtre de Kanemura, qui est le patron de Kanemura Entreprise et qui est un yakuza, quoi. Et les deux étaient à moitié à poil, enfin on voit que voilà, ils étaient avec une femme avant que ça se passe. Donc est-ce que c'est elle ou quoi? Ça mérite des réponses. Donc Akiyama va sûrement lui poser des questions quand on va la voir. Donc vous verrez ça dans l'épisode suivant. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter. Puis on se dit à la prochaine pour la suite. Allez, à plus !